Dracula. Il est là. L'école de Saint-Michel Berger, que je sais dire. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tout ira bien dans l'espace-temps. C'est encore récupérable. Si tout le monde s'y met. Si vous arrêtez de voter pour des connards. Donc j'ai dit hier, déconstipatitution. Faut arrêter tout système de merde. Quand même, c'est grave, c'est la fin. C'est eux qui font la fin du monde. On va peut-être un peu enlever les tonneaux de plutonium dans la mer. Après, c'est du maçonnique sa mère, ça aussi. Tu vois, peut-être qu'il y aurait moins de réchauffement climatique, peut-être. Ça fait pile, l'eau salée, c'est conducteur. L'eau douce, c'est l'inverse. L'eau douce naturelle, c'est un isolant. C'est tout un truc. C'est comme la concoyote, c'est tout un art. Rien n'est au hasard. Ça pour dire que ce soir il y a la répète. Que je vais sûrement voir Florence là après. Je vais essayer la nouvelle caméra de Lu. Matos pour 1200 euros il y avait. À l'époque, il y a 8 ans. Tout que je pourrais jamais avoir, mais c'est l'histoire de tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est comme le iPhone là, j'ai un des premiers modèles. C'est Alex qui me l'a donné. D'ailleurs, il est dans le journal. Le petit journal du Gary. C'est ça qui est cool. Un peu de reconnaissance, ça fait du bien. De temps en temps. Il n'y a pas que des connards hein, sur Terre. Arrêtez de... Parce que ça brille, c'est beau. L'or, le machin, le pognon. Et encore une fois, les fourmis, ils n'ont pas de fiche de paye. Hein. Mais il y a du boulot pour tout le monde. Les abeilles aussi, sauf qu'on les massacre avec les pesticides de merde. Augmenter le capitalisme de productivité de mes couilles. D'accord, je dis des gros mots. J'ai expliqué hier, moi j'ai un prophète de garage. Tu vois. Quand une bagnole, elle arrivait, j'ouvrais le capot, je savais où elle avait mal, ça me parlait. Après, il fallait faire du chiffre. Pas les couilles de ton chiffre. La rentabilité, la productivité. Alors, tu avais une prime, c'était sur la vente complémentaire, tu avais 4% brut. Alors, tu ramenais 3 patates, tu avais une olive. Tu ramenais 10 pizzas, tu avais 2 anchois. Après, la prime à la main-d'œuvre, au-dessus de 20 000 ou de 30 000, tu pouvais, si l'objectif était atteint, gagner 20% brut. Tu vois le truc? Comme ça.